Bonjour, l'objectif de cette leçon est de réaliser une fiche de stock en appliquant la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Pour illustrer cette méthode, nous allons partir de l'exemple suivant. Donc, nous allons imaginer que notre société commercialise des billards et les mouvements de stock pour le billard régent au cours du mois d'octobre ont été les suivants. Donc, nous connaissons le stock initial au début du mois, 50 billards à 1 800 euros, et nous avons ensuite le détail des entrées et des sorties de stock. À partir de ces informations, nous allons réaliser une fiche de stock. Dans cette fiche de stock, nous allons préciser pour chaque date les entrées ou les sorties constatées, ainsi que le stock. Nous le ferons en quantité, en prix unitaire et pour le montant total en euros. Donc la première date qui va apparaître dans notre tableau est la date du 1er octobre, date au cours de laquelle nous allons reporter les quantités en stock. Nous avons donc 50 unités valorisées à 1 800 euros, soit un total de 90 000 euros. Ensuite, le 5 octobre. Le 5 octobre, un bon de sortie de 30 unités a été constaté. Donc, dans la colonne des sorties, je vais reporter 30 unités que je valorise au prix unitaire des billards que j'ai en stock, 1 800, ce qui va me donner un total de 54 000. Mon stock va diminuer d'autant. 50 moins 30, il me restera 20 billards en stock, valorisés à 1 800 unités, soit un total de 36 000 euros. Le 7 octobre, nous allons constater une entrée de 140 billards pour un prix unitaire de 1 950 euros. 140 fois 1 950 nous donne 273 000. Ceci va augmenter d'autant notre stock qui passe alors à 20 plus 140, c'est-à-dire 160 billards. Pour un montant total de 36 000 plus 273 000, c'est-à-dire 309 000 euros. Le prix unitaire, c'est-à-dire le coût moyen unitaire pondéré d'un billard, s'obtiendra par division. 309 000 divisé par 160 billards va nous donner 1931,25 euros par billard. Le 8 octobre, nous allons constater une sortie de 40 unités. Ces 40 billards seront valorisés au dernier coût moyen unitaire pondéré calculé, c'est-à-dire 1 931,25 euros, soit un total de 77 250 euros. Mon stock diminue de 140 unités et passe à 120 unités. Mon coût moyen ne change pas puisque je n'ai pas acheté de nouveaux billards et donc la valeur de mes stocks est égale à 120 fois 1 931,25 ou bien 309 000 moins 77 250, ce qui me donne dans les deux cas 231 750 euros. Le 15 octobre, un nouveau bon de sortie intervient qui porte cette fois-ci sur 55 unités, que nous valorisons donc toujours à 1 931,25 euros pour un total de 106 218,75. Il nous restera donc simplement 65 unités en stock, valorisées toujours au même prix, pour un total de 125 531,25 euros. Le 17 octobre, nous avons une nouvelle entrée en stock. Cette entrée porte sur 30 unités valorisées à 1 860 euros, soit un total de 55 800 euros. Cette entrée vient augmenter la valeur de notre stock qui passe alors à 95 unités pour un total de 125 531,25 plus 55 800,
ce qui va nous donner 181 331,25 € répartis sur 95 billards, ce qui nous donne donc une moyenne, un coût moyen unitaire pondéré de 1 908,75 €. Donc mon coût moyen change après chaque nouvelle entrée. Nous pouvons ainsi terminer notre tableau avec tout d'abord le 21 octobre un bon d'entrée de 40 unités à 1 815 €, ce qui nous donne un total de 72 600 €. Ces 40 unités viennent augmenter notre stock qui passe donc à 135 unités pour un total de 253 931,25 €, divisé par 135 unités, ce qui nous donne un coût moyen unitaire pondéré de 1 880,97 €. Bon, le chiffre est arrondi, il est égal normalement à 1 880,9722. Il est conseillé de conserver ce chiffre exact dans la calculatrice pour réaliser les calculs suivants. Le 26 octobre, pour terminer, nous aurons un bon de sortie portant sur 120 unités que nous allons donc valoriser au chiffre trouvé précédemment, donc que je note ici en l'arrondissant, ce qui va nous donner un total de 225 716,67 € et notre stock, eh bien, passera à 135 moins 120, c'est-à-dire 15 billards, valorisés toujours au même coût, pour un total de 28 214,58 €. Globalement, sur l'ensemble du mois d'octobre, eh bien, nous aurons sorti 245 billards pour un coût total de 463 185,42 €. Ce montant représente, s'il s'agit de marchandises, le coût d'achat des marchandises vendues, et s'il s'agit de produits finis, fabriqués donc par l'entreprise, eh bien ce sera le coût de production des billards vendus.